Oh là 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 là. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Wow, et allez, on est en ambiance Noël, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé comme ça, non? Bref, je vais enlever ça parce que hein, quand même, on va pas abuser. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de face caméra, ça me tenait à cœur de vous le faire car aujourd'hui je vous fais quelque chose d'assez spécial. Comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui je vais tout simplement vous faire mon premier concours. Pour vous remercier de me suivre et tout, et comme c'est Noël, j'ai décidé de vous faire gagner deux petits trucs quoi, deux petits trucs assez sympathiques. D'abord je tenais vraiment à vous remercier pour ce qui se passe en ce moment sur YouTube. Je le sais qu'en ce moment les vues commencent à baisser un petit peu, mais c'est logique, il y a toujours pas de nouvelles motos. Je me prends que des refus, des recales et tout. Les motos elles sont vendues juste avant que j'arrive, ou je reçois toujours au dernier moment un message du vendeur: ouais, moto vient d'être vendue. Du coup il va falloir se speeder pour vous ramener de la nouveauté. Mais ne vous inquiétez pas, je tiens mes paroles et mes promesses, et bientôt il y aura de la nouveauté, et j'espère au plus vite. Pour vous faire attendre et patienter comme il le faut, et comme c'est Noël, j'ai décidé de vous faire gagner tout simplement deux petits trucs super cool. En vrai je pense que pour un premier concours c'est plutôt pas mal. On va tout de suite commencer avec le premier lot. Hop, vous l'avez vu, classique, une petite paire d'AirPods. Voilà, là vous vous dites: ouais mais Léo, si on n'a pas de Android comment on fait? Bah c'est très simple, de toute façon il y aura deux gagnants au concours. Et direct, c'est quoi le deuxième lot? Une GoPro, voilà, pour ceux qui veulent commencer les vidéos. Donc la GoPro vous la connaissez certainement, c'est celle que j'ai utilisée dans mes débuts sur YouTube. Elle fait encore le taf à 2000%, elle a une qualité de ouf. Vous pouvez faire des bêtes de vidéos en moto. Voilà, elle sera toute équipée quand je vais la faire gagner. Je mettrai des petites attaches pour le casque. Tout simplement, du coup, la personne qui recevra la GoPro pourra tout simplement faire des vidéos en moto. Et du coup, les AirPods, bah, c'est pour écouter de la musique. Enfin, vous connaissez un peu, je pense, c'est assez connu. Tout ça va se passer sur Instagram les amis, du coup n'hésitez pas, le concours est déjà en ligne à l'heure où je poste la vidéo. Je l'ai posté à 18h et la vidéo sort à 18h34, bande de beaux gosses. Toutes les conditions pour participer au concours, elles sont mises sous le post. J'ai fait une photo exprès avec les lots et voilà, ça fait bientôt un an que j'avais pas posté sur Instagram. Du coup mettez un petit pouce bleu, c'est totalement gratuit pour participer. Il faut juste liker la photo, partager, taguer deux amis en commentaire, partager dans vos stories, vous abonner à mon compte Instagram, le tirage du bas, les abonnés à mon compte Instagram, moto, bref. Tout est détaillé, le tirage au sort c'est le 31. Sur ce, j'espère que vous allez kiffer. Dites-moi si comme premier concours c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous voulez que je vous fasse gagner dans les mois à venir? Parce que si soit ça se déroule bien et que vous kiffez et que je vois qu'il y a masse abonnements sur Instagram, bah j'en referai certainement avec d'autres lots, pourquoi pas des gants de moto, des casques de moto, enfin ou des trucs encore mieux, enfin je sais pas. Bref, je compte sur vous, je vous attends en commentaire et sur Instagram. Faites-moi kiffer les mecs. J'essaye de vous faire kiffer pour le premier concours. Du coup, je pense que vous allez pas être déçus. On se retrouve sur Instagram et sur la petite vidéo qui continue. Voilà, un petit motovlog assez sympathique. Sur ce, bisous les mecs. Ciao. N'oubliez pas aussi que si sur cette vidéo il y a 3500 pouces bleus, dans 3 jours je ressors une nouvelle vidéo. Je kiffe faire ce concept avec vous parce que vous jouez le jeu, ça fait grave plaisir. Merci à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau motovlog. Les frérots, c'est horrible. Vraiment les pires conditions pour faire un motovlog là. Aujourd'hui les mecs, je vais enfin chercher la chose que j'attends depuis plus d'un mois, qui fait débat sur ma chaîne et tout. D'abord, j'espère que tout le monde va bien. Ah là là, c'est le week-end. Mais dans le nord, c'est déjà l'hiver, mon ref, je crois là, parce que j'en peux plus, il fait trop froid. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, j'ai les mains gelées. S'il y en a 3500, je vous ressors une nouvelle vidéo dans 3 jours. Bref, aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné au titre, à la miniature, on va enfin chercher mon nouveau téléphone. Ah là là, depuis le temps que je l'attends celui-là. Ok, ça me dépasse et tout, tu vois, je reste sur le côté pour que ça me dépasse tranquille. Ça me colle au cul derrière, ça me casse les couilles, je vais descendre en Renault, je vais lui mettre une patate du turfu. J'ai trop froid, j'ai les mains gelées, ça me dépasse comme ça, mais vraiment... Veste de clampin va. Oh, il est stylé le rond-point. Bon, je vais quand même essayer de vous animer la vidéo hein, non plus. Hein. Je suis pas un zoulou. Hein. Wow. C'est quoi ça? T'as vu comment j'arrive pas à prendre le rond-point? Mais je suis congestionné donc j'arrive même pas à faire mes mouvements là. Vraiment, c'est horrible. Et du coup, concernant la moto, bah c'est mon outil de vidéo donc forcément, c'est des dépenses que je dois compter. Mais à aucun moment ça fait qu'en achetant un iPhone, je vais pas acheter une moto quoi. En gros, pour être plus simple, c'est je vais acheter les deux, donc il n'y a pas à dire « Ouais, t'aurais pu nous acheter une nouvelle moto au lieu d'acheter un iPhone pour faire les vidéos. Bah, » en fait, il y aura les deux, genre l'iPhone, il va filmer la nouvelle moto, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il n'y a pas de panique à avoir avec ça. Je suis pas débile non plus, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Oh là, la Derville, elle m'a pleuré là. Oh là, elle m'a pleuré sec. En montée à 80, ça bronche pas. Ça me dépasse. J'ai l'impression que la Derby elle veut même plus accélérer mon ref. Franchement moi j'essaie déjà de me concentrer sur mon pilotage. Si en plus de derrière ça veut me doubler, je vais pas y arriver hein. Attends, je sais pas où je dois aller.
Attends, je sais pas où je dois aller. Merde. Attends, je suis perdu, mon ref. Merde, attends, je vais faire des tours de rond-point comme ça longtemps. Attends, je vais me poser là. Oh bordel, s'arrêter comme ça dans les gravillons, c'est pas top. Oh merde, je suis perdu. Ah non, on n'entend pas, mon ref. Oh, ça fait tellement du bien de s'arrêter, il fait chaud. Oh, c'est horrible, je suis congelé. Du coup, regardez le téléphone que j'avais en attendant. Oh, c'est vraiment horrible. Ouais, petite BM là. Là, on va décrasser la derby là. Là, on va voir si les voitures elles vont encore nous dépasser là. Ok. Ok, non, ça c'est la rocade ça. Je sais pas ce que c'est, on va aller là. Là, ouais, je crois que c'est la bonne route là. Faut pas me faire des trucs comme ça, mettre des stops là. Wesh, y'a personne, mon ref. Attends, je me suis perdu là quoi. Et je suis censé aller où là, moi? Hein? Attends, mon ref, c'est une route ça? J'ai plus de main, j'ai plus de pied. Oh, j'ai trop froid, c'est horrible. Et voilà, mon ref, je suis perdu. Du. Putain, c'est incroyable, j'arrive pas à retenir la route. Hein. J'ai vraiment une grosse merde. Hein. C'est à gauche, tout droit. Et après, troisième sortie. Ok, vous êtes prêts? Le magasin, je vais le squatter pendant une heure là pour me réchauffer. Mon corps il doit être sincèrement à moins 5 degrés là. J'imagine pas, ma GoPro aussi elle doit se les congeler. Hein. Ah là c'est bon, là je commence à trembler moi-même. Si je commence à trembler moi-même en roulant, c'est que j'ai vraiment froid. J'ai envie de vous dire que les conditions elles sont encore pires que la fois où j'ai fait de l'enduro avec la 50 et que j'ai pris une vague d'eau sur moi. Ok, on va passer là, on va voir ce que ça donne. Hein. J'espère que c'est... Non. J'espère que c'est là que je me suis pas trompé. Ah, et en plus, il y en a, ils passent le permis moto, là. Ah, bande de beaux gosses. Oh. Allez, dis-moi que c'est ici. Ouais, je crois que c'est ici. Ouais, putain, j'ai réussi à arriver, quoi. J'ai réussi, bordel. C'est quoi tout ce monde? Ah. Bon, mission 1, trouver l'endroit réussi. Mission 2, trouver le magasin. Mission 3, retirer l'iPhone. Mission 4, rentrer chez moi sans mourir. Par contre, je te jure, là, qu'ils me disent pas, ouais, monsieur, on n'a pas votre colis, hein, parce que là, je te jure, je vais casser des têtes. Hein. Je vais casser des têtes, des bouches, gros. Ok, Darty, il est là-bas. Ok, comment je fais pour y aller? Oh, bordel. Je crois que ça, c'est interdit, d'ailleurs, ce que je viens de faire. Oh, mais c'est quoi, ce bordel? Je comprends rien. C'est pire qu'un circuit de voiture, ce bordel. Ok, moi, je dois faire ça. Ok, après, je vais faire ça. Ok, Darty est là. Je fais comment pour rentrer dans le magasin maintenant? Ok. Bon. Je vous reprends quand je suis sorti. Avec l'iPhone. Et tiens, moi, Ghost. Bon, c'est bon les mecs, j'ai récupéré le colis. Bon, j'ai pas trouvé le chargeur là, moi je voulais acheter un chargeur Hancock, j'ai pas trouvé. J'ai le colis, c'est déjà bien. Là je suis tellement congelé frérot, je vais rentrer et je verrai le chargeur et la coque plus tard. Je vais essayer de pas me taper de pluie, normalement il va pas pleuvoir. Mais vas-y, j'ai froid. Je rentre, je vous fais un déballage je pense. Ça va vous faire kiffer de voir ça. Ah, parce qu'avec la couleur que j'ai pris c'est beau hein, faut que vous le voyez. Bon allez, normalement on doit rentrer en 26 minutes. Je me lance un challenge. Ah ouais, bah non, elle est pas à l'heure, ma moto aussi. C'est de rentrer en 26 minutes et pas en 1 heure. On essaye de pas regarder le GPS une fois en rentrant, ok? Allez, petit challenge. Et comme quoi, les mecs, l'habit ne fait pas le moindre. Hein. Tout le monde se foutait de ma gueule parce que vraiment, j'ai zéro dégaine. Mon casque, c'est un casque de poubelle.
Mes cheveux laissent tomber avec le casque, je ressemble à n'importe quoi. J'allais retirer un 12 Pro Max. Pendant que les gens, ils allaient retirer un iPhone 10. Ah, je dénigre pas hein, ceux qui ont le 10, hein, au contraire. Hein. Mais tu vois, j'ai vu qu'il y avait des regards et quand ils ont vu que je retirais un 12 Pro Max, ah, y en a, ils ont fait les gros yeux. Hein, parce qu'ils étaient en rupture de stock pour eux. Allez, là, on va rentrer là, rapidement déballer tout ça. Putain, ça fait plaisir! Je suis limite en train de freiner derrière lui. Ah, 87! Est-ce qu'on va dépasser mon top speed 88? Ouah! Ça a affiché 89! Mais par contre, je dois tourner là, donc malheureusement, le top speed sera déjà fini pour aujourd'hui. Retour au stand. Pour Charles Leclerc. Hop! Allez, normalement je connais la route donc ça devrait aller. Et ça me fume les petits gens comme ça, leur truc. La poste là c'est trop drôle. Oh. Oh là là. T'es prêt pour un arrêt de précision? Arrêt de précision. La petite Mini Cooper. Attends, c'est un sens interdit? Hein? Quoi? Que? Hein? J'ai pas vu le panneau. Ah ouais, par contre, s'il y a une voiture qui arrive, je suis mort. Oh merde, merde, je savais pas que c'était un sens interdit. Ah, Inch'Allah, y'a pas de voiture. S'il y a une voiture, je fais comment? Sauf, en fait, j'hésite à aller vite. Ok, je crois qu'il y a pas de voiture, vas-y, c'est bon. Ah, bombarde. Allez, s'il te plaît, pas de voiture, ouais, nickel. Allez, dégagez les corbeaux. Le conducteur fou arrive. Allez, s'il te plaît qu'il n'y a pas de voiture, s'il te plaît qu'il n'y a pas de voiture. Pas un fou comme moi qui arrive à je sais pas combien de vent. Ok, on s'arrête. Hop, on repart. Oh, j'hésite à rentrer comme ça, again, comme ça. La route va me porter. Si seulement j'ai encore allé une petite vingtaine de kilomètres de route. Ah, je l'ai sauté le dodan. Bon, attends, c'est là, il faut que je fasse gaffe de pas prendre la rocade en fait. Bah, attends, là, je suis obligé de prendre la rocade. Ah non, on n'est pas obligé de prendre la rocade. Faut bien que je colle à gauche. Ok, attends, elle c'est une voiture sans permis. Ah non, elle va pas là-bas. Bon allez, hein. Au pire on a qu'une vie, une rocade en 50. Bon allez, ça se fera qu'une fois. Il y en a, ils vont sur l'autoroute, moi je vais sur la rocade. Allez, rocade en 50 partie 1. Eh ben non, je vous ai fumé, bande de fous. Rien à branler, j'arrive à 80 sur l'entrée du rond-point, moi. Ah, je suis congelé. Vas-y, vas-y, dépasse ta mère. Si je te rattrape, toi, culé. Oh bordel, c'est un camion derrière. Oh bordel, je vais signer mon arrêt de mort là. J'ai envie de m'arrêter pour laisser passer les reufs derrière là. Les deux gros 600 tonnes là. Là, la derby elle chope là. Ah là, je ralentis même plus. Ah ouais, mais t'as un show toi. T'as un show, ti. Oh stylé. Je vois de plus en plus de 4x4 en France, des gros trucs américains. Ah ouais, là quand c'est dans la ville, là ils font moins les malins. Hein. Hein, sur les départementales, ils sont là à dépasser, mais dans la ville, ils avancent pas ces gros bâtards. Hein. Putain, je vais péter un câble. Sur la départementale, ils sont là, collés au cul, ils pètent un câble. Et en ville, gain, quand c'est 30, là, ils sont vraiment à 30, ces gros fils de pute. Hein. Et sur la rocade, ils sont obligés de rouler à 100. Allez, t'es mort, toi. Mais alors là, je n'ai rien à branler de ta déviation. Oh non, je crois qu'il fait demi-tour le ref. C'est mon ancien collège. Mon ancien collège, il est là sur la gauche. Ah non, tu vois pas qu'ils ont bloqué jusque là quand même. Oh, genre c'est ouvert. Ça, c'est mon ancien collège, les mecs. Qu'est-ce qu'ils font? Hey, ils font le marché de Noël. J'ai envie d'aller les voir. Attends, y a un bébé. On va traumatiser le gosse dans la poussette là. Je vais rentrer à une vitesse, mon ref. Céder le passage, ouais. Je vais rien céder du tout là, je vais céder mes 10 doigts. Freine pas. Pourquoi tu roules avec le clignotant déjà? Ah ouais, bah oui, faut l'enlever, hein. C'est mieux. Bon, sinon, les mecs,
Je suis désolé pour cette vidéo où je parlais pas trop, mais vraiment les conditions. Oh, si vous pouviez avoir la température que j'ai et tout, c'est horrible. On se retrouve à la maison si j'oublie pas de vous faire un déballage. Sinon, venez sur Instagram et j'essaierai d'en faire un. Là, je pense que je vais aller me mettre dans mon lit et je vais dormir. Je vais me réchauffer. Mais là, j'ai plus de doigts, vraiment, c'est horrible. Bon, sur ce, bonne fin de journée à tous. Et là, vraiment, quand je dis que je suis en train de perdre mes doigts, je rigole pas, je vous promets que je les sens plus. Bon, sinon, n'hésitez pas à lâcher un abonnement, on est bientôt 60 000, ça fait super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les mecs. Et je pense que je vais faire une vidéo où je note vos motos. Du coup, bientôt, si jamais je mets un mail et que je le dis, n'hésitez pas à m'envoyer vos motos, j'arrive même plus à parler, vraiment. Sur ce, les mecs, ciao, ciao.